En tout cas, je vais continuer après, après la première game. Là. On a droit à Ryu, le Ryu à Petit Fleur contre le Luigi à Gigi Wetland. Fun fact, ils ont passé l'après-midi à jouer avant de venir. Puis, moi, c'est des frères. Puis Petit Fleur en a pas gagné aucune. Il en a gagné une, je pense. Puis à soir, il se disait, ça y est, c'est sûr, j'ai pas tout. Puis le v'là en Winner's Final en ce moment. Puis ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, Sty? Je veux dire, ça va bien, Darren, en tout cas. Ça m'est arrivé la même chose contre mon frère, puis j'ai gagné. Le soir même, t'avais joué avec lui dans la journée, ouais, il t'a fait. Ouais, j'ai gagné. Ok. Fait que tu te trouves quoi t'arriver? Surtout que les deux ont une. On a un vaste rooster de personnages. Petit Fleur joue Ryu, Diddy Kong, Toon Link. Il y a un Link aussi. Mais tu sais, c'est Link. Puis Gigi Wellplayed joue Little Mac, Luigi, Palutena. Il joue Falcon un peu, il joue Cloud. Cloud, ça me surprend. C'est l'équipe Kang. Pour l'instant, c'est assez serré, il n'y a pas de massacre. Je pense que JS est le gars de tout. Ouais, genre. Que vous avez à Saguenay. Hey Joe, je peux te savoir pourquoi? On m'a pas. C'est lui On m'a pas tenu informé de si j'avais une place dans le carpool ou pas. Je me suis levé tôt pour rien. Hein. C'est la faute à mec, parce qu'il a dormi jusqu'à 1h. C'est juste ça que j'ai à dire. Fait qu'en ce moment, Petit Fleur qui a une avance. Oui, là, je fais alors, fait que c'est un 3-5 à ce moment-là. Donc, y a-t-il des strikes en 3-5? Non. Fait que, en ce moment. Ryu avec la rage, c'est dangereux. Ça peut être mortel, oui. Ah, mais là, il n'y a pas sweet spot. Fait que, Je m'en ai mangé des up smash dans mon set. Ça, c'est très puissant. Mais Ryu avec la rage, c'est quelque chose que c'est une des affaires les plus dangereuses de jeu. Oui. Tellement early avec le True Shuriken. Donc on y va avec le Bread and Butter Luigi. Les grab up tilt. On chaîne tout ce qu'on peut. Bon up smash qui cache le landing. Donc Gigi Wellplayed qui a repris le contrôle de la game. Et la rage commence. Ouais, là, la rage commence. Ça, il faut pas sous-estimer ça. Fait que, non. Je pense que les pourcentages sont pas mal égal pour moi. Là. C'est vrai, à ce pourcentage-là, je sais pas si le True Shuriken est dessus avec la rage qu'il y a. Oui. Il doit être proche. Oui, là, c'est sûr. 60-60, là. Je suis pas mal sûr que oui. Est-ce que, l'affaire, c'est que, est-ce que Gigi Wellplayed est aware du True Shuriken et qu'il va se mettre à jouer super défensif? Ce qui est drôle tantôt, c'est que les deux, ils jouaient, ces personnages-là, puis c'était une bataille de Shuriken. Fortune, on envoie stage, 127%. La rage à build-up. Fort, oh. Smash, that's it. 1-0, Petit Fleur. Ouais, ce que je disais à propos de Desseron, c'est que il est pas bon, mais il bat beaucoup de monde parce que on est vraiment, vraiment à chier. C'est moi qui pique. À chier. Loser's pick. Pas de strike. La semaine passée, je me suis fait battre par lui, puis ça m'a juste comme montré que. Ça m'a montré que je suis vraiment une marde. C'est pas bon. Sur le moral, c'est pas bon. Sur le... Mais moi, c'est envers lui. C'est juste. Je devrais pas dire ça. En tout cas, whatever. Puis là, on l'a comparé à un boss de tutoriel. Tu sais, quand t'as pas fini le tutoriel. Il y a un boss. Tant que t'as pas battu ce boss-là, tu peux pas accéder au vrai jeu. Fait que moi, je suis pas encore rendu au vrai jeu. Ça dépend, les boss tutoriels. Il y en a des durs. Ouais, mais on l'a comparé à un boss de Dark Souls. Genre, ouais, mais un boss de Dark Souls, parce que c'est linéaire ce qu'il fait. On sait ce qu'il va faire, mais c'est quand même dur à contrer. Mais non, il y a genre. Moi, je l'ai appelé la barre. C'est une barre. Puis en bas de lui, on est des mardes. Puis du moment que tu franchis ça, c'est comme. Là, tu viens d'entrer dans la cour des moyens, mettons. Pas la cour des grands, là, mais tu sais. Fait que. Parce que. Ah, c'est cool. Ça pour dire que je suis très salty quand je perds contre lui, parce que ça fait juste mal à mon orgueil. Parce que. Ça fait juste me prouver que je suis pas bon. Tu sais, je John pas. C'est pas un John. Je suis juste moins bon que lui.
Mais il est pas bon. Donc t'es pas bon. Donc je suis à chier. Fait que c'est ça, Miiverse, le pic de Didi Wellplay. On va avoir le résultat de mec contre Warrior. Je sais pas qui a gagné. Oh Yoshi, donc c'est le mec qui a gagné contre Warrior. Est-ce que mec va reprendre notre weekly encore? Va-tu faire ça, tu penses? Ben, honnêtement, il va tomber contre Toffer. Puis généralement, mec contre Toffer, c'est mon français, c'est Toffer qui gagne. Ok. Mais tout peut arriver. Ouh. Oh, ok. Ça a comme pas sweet spot, hein, je sais pas quoi. Donc là, on fiche vraiment pour le tour Shoryuken. C'est peut-être qu'est-ce qui va coûter, coûter la stack à Petit Fleur en ce moment. Bois une Red Bull, mec! Je le sais, moi j'ai eu une Red Bull tantôt puis j'ai shaké avant mes games, là. Je filais tellement pas. Là. J'ai fait ça une fois avant d'aller au Smash Garage. Hein? Je me faisais péter par Desron. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La barre. C'est comme. T'sais, t'es comme dans l'enclos. Comment que je pourrais dire ça? T'es comme. Oh ouais, vas-y, écris, tiens, je te laisse. Mais écris pas n'importe quoi parce que t'es sur, au nom de SSBTR. Juste avec eux. Parfait. Toi, tu veux pas que mec gagne? C'est mon frère, tu sais, c'est mon sang. J'ai pas le droit de prendre compte. Mec ou Toffer? Toffer. Ok, tu veux pas que Toffer. Toffer, c'est mon frère. Fait que tu veux qu'il gagne? Bah oui. Ah, ok, je comprends. C'est ton sang. J'aime ça, ton sang. Mais tu sais, si ces deux-là étaient moindrement brillants, il y en a un qui laisserait gagner l'autre, puis dirait à la fin on se sépare. Parce qu'ils sont au moins top 3 les deux. Ils pourraient dire à la fin on sépare le cash. Ce serait du bracket manipulation. Pas true. C'est Curly Joe qui a écrit avec SSVTA. Mais vois ça aussi comme. Nesseron, tu peux le voir aussi comme. Le gardien. Le gardien de l'enclos, ok? Comme le minotaure dans le labyrinthe. Okay. Tu sais, t'es comme dans le labyrinthe des pardons, là. Puis lui, c'est le minotaure qui est dedans. Il garde le pire. Hein? Il garde le pire. Ouais. Il garde le pire. Je pense que t'aurais pas pu mieux dire. Ok, Nesseron garde le pire. C'est le gatekeeper du pire. J'adore ça. Oh, back here. Hey, Cal, il serait fier, hein? Cal, il serait bandé, je pense. Mais je pense qu'il l'est en ce moment. Mais Cal, il est sur le stream. Cal, c'était là, manifeste-toi. Parce que là, c'est Ryu qui vient de faire deux back air. 2-0, petit fleur. Là, tu parles. Ouais, mais tu sais, c'est drôle que tu dis le Scrubland, parce que Trois-Rivières, c'est le Scrubland. 19 viewers. Donc on est bon. Ok, est-ce que tu veux qu'on parle de tous ceux qui sont pas sur le PR de Trois-Rivières? Ça, c'est le Scrubland. Ah, je sais, ben c'est ça. Écoute, hier, là, notre gars, on a mangé un coup. Là. Mec, qui est honorable mention, qui prend le weekly ici. Je veux dire, tout le monde était. Moi, j'étais pas mal, là, parce que ça me dérange pas. Non, en vrai, j'étais pas mad. Genre, j'étais en fait, ça faisait, je trouvais ça parce que ça a tout craqué le monde. Le monde était tellement mad qu'ils se sont tous fait comme la semaine prochaine, ça peut pas se reproduire. C'est de la motivation. Ouais. Fait game 3, on va sur FD, puis on switch Little Mac. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des super armures. Ouais, hein, des super, super armures. Coup de smash. C'est plutôt even. TR est bad. C'est vrai. On a un. Je pense qu'on a un top 5 qui est décent. Je veux pas dire bon, mais il est décent. Puis après ça, on a comme un 5 à 10. In the making, ce qui monte tranquillement.
Puis après ça, c'est Scrubland. en bas du top 10, là, c'est vraiment Scrubland. J'aime ça, ce terme-là. Le KO Punch. Il est prêt. On va avoir tellement peur. Le KO Punch est prêt. Donc, en ce moment, Dash Attack, c'est pour plus le forward smash. On joue très patient les deux bars. On vient de perdre le KO Punch. Gumu, ça doit être Guilty Muffin. Oui. Il est fort, il me semble. Oui. Ouais, moi, j'ai toujours entendu dire que Gumu était vraiment une coche au-dessus de tout le monde à Saguenay. Il est vraiment. Comparé aux autres, mais il est vraiment bon. Est-ce que ça joue pour Rafi à Smash en Clash? Ouais, parce que Rafi de Saguenay était à Smash, Smash and Clash. Splash. J'ai pas capable de dire ce nom-là. Gumu, Talcott puis Dead, ça va être top 3 tier, je pense. Ah, facilement, je pense. Ah, Dead. Talcott, il a joué contre Petit Fleur à un weekly à Québec. Puis Petit Fleur, je pense qu'il a même pas enlevé une stock. Fait que, oh, il serait top 3 de Talcott. La grosse tasse, comme il aime l'appeler. Hein. Puis Dead, c'est comme moi, mais en bon. Donc, un spaghetti de Ryu, de Petit Fleur. Ce qui amène le score à 2-1 pour Petit Fleur. J'aimerais savoir un 2-2. Le gros hype, ça. Oh, on pourrait voir ça, Game 5, ça serait pas pire. C'est vrai, tu m'as fait remarquer prendre le set à Oli. Ok, ah ouais, il fallait prendre le set ou une game? Je m'en rappelle plus, mais je sais que c'était vraiment serré. Ok. C'était le fun à voir. On va voir le bracket où est-ce qu'on est rendu. T'as gagné sur Battle, tu as fait des jeux. Game 4 sur Town and City. Est-ce que Tougher et Mech, ça se joue? Non. T'attends-tu pour le stream pour Tougher et Mech? Okay. Oh shit, il est 8h moins quart déjà. Le temps passe vite en mon compte. Ouais, c'est ce qu'il dit. La banane, on throw. Up throw, up air. Moi, j'irais me prendre de quoi à boire, j'en ai pas bien. C'est bon? Pas de Red Bull? Attends, moi, je shake. Ok, comment est-ce que t'as... Non. Laisse-le là qu'on est deux. Ouais, okay. On parle demain. Ok, ils entendent ici? Ouais. Ok. Bon. So... La petite... Oh. Légère avance de Petit Fleur. Oh. What? Oh! J'ai même pas compris ce qui s'est passé. C'est pas ce qui est arrivé. Hey, je sais pas comment faire pour... J'en ai aucune idée. Comment qu'on fait pour changer ça? Ah, ok. Présentement, c'est GG Wellplay. Je vais en faire des friendlies avec des scores. Dis-moi comment qu'on fait pour changer ça avant. Les scores. Oh my god, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu changer le score? Non. Cancel. Qu'est-ce que c'est? La petite bombe ici. Ah, oh, c'est la petite bombe. Le fait plus à GG Wellplay, fait update après. Aussi simple que ça. Super. Ah, colique. C'est un truc de gaucher, ça. Ah, ok. C'est un truc de gaucher, c'est gossant. Mais le clic droit est là, le clic gauche est là. Ouais. C'est bizarre.
Bon, ben, c'est retourner. Qui se build, les deux frères, 2-2. Ouais, ouais, 2-2. Malgré le spaghetti de maman qui s'est fait il y a pas longtemps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu penses du match-up? Ça tombe Ryu. J'en pense. Bon, ben d'abord, qu'est-ce que tu penses de ce match-up-là? Je trouve que. Je sais pas, honnêtement. Je sais que Luigi peut faire facilement ses combos sur Ryu. Ouais, ouais. Ryu est quand même lourd, je te donne ça. Puis il a une grosse hitbox. Puis. Il tape quand même vite, donc le focus de Ryu sera pas si simple à placer, je crois. Comme méthode pour atterrir, là, utiliser le dump et garder du momentum un Sparmer, c'est super bon. Et puis, petit fleur, je sais qu'il s'est entraîné avec Ryu, mais j'ai pas vu le résultat que ça a donné, j'ai bien hâte de voir ça. Il menait tout Link et Link avant. Il a encore son Diddy Kong qu'il utilise beaucoup. Edgeguard présentement de la part de Ryu. Et voilà. What? Oh, jab touché en Ryuken, c'est vraiment utile. Oh, un petit back air. Shout out to Cal en neutral. Gigi qui cherche vraiment à faire aggraver. Ouais, ouais, mais rendu à 90%, ce sera plus aussi simple de réussir les combos, justement. Ben, de réussir à air dodge et combo. Le combo qu'on fait pas, c'est Don't Throat ou Don't Beat. Je sais que ça avait été nerf, c'est devenu un 50% maintenant. T'as à partir d'un certain pourcentage, disons environ dans ces pourcentages-là. Il y a, la seule chose qu'il y a le temps de faire, c'est un air dodge ou. Ouais. Un jab hobby qu'il aurait pu être utile, comme tu disais, mais c'est correct. C'était fini. C'était fini la game. Je sais pas où faire mettre ça. Yeah, présentement, le momentum sépare, le stress peut-être, mais encore une très bonne avance. Là. Il manque juste à réussir un jab, puis c'est fini présentement. Là. Alors, il n'y a rien de perdu. Ouais, ouais, un backer va créer un edgeguard situation, c'est super bon. Luigi qui a un recovery quand même. Sous-estimé. Je dirais que une grande qualité. Oui, mais il est un peu lent, donc prévisible, mais il peut se rendre très loin. Puis comme tu as dit, il y a plusieurs options. C'est un peu. C'est une meilleure version de Ike, disons. Lent, mais il se rend quand même loin avec. 140% rendu là. Oh, et un backer! Et voilà. Le Cal spécial. Et voilà, c'est gagné de la part de DJ Waltley, petite fleur. Pour petite fleur.